Yeah, ma petite babiole, on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 3 pour la découverte in-game, ma toute première game avec la MSMC qui s'appelle la XMC, les gars. Mitraillette automatique, portée accrue et recul réduit. Est-elle aussi stable que sur Black Ops 2? Hein? J'ai l'obtenue sur le compte de mon abonné à qui je fais déjà une dédicace, mais il n'y a pas que la MSMC, les gars. Dans la soirée, il y a quoi qui arrive? La vidéo sur l'Olympia? Franchement, laissez déjà un pouce bleu. L'Olympia, il est là. Regarde, tu vas le voir. Boum. Tu vois. Ah, il est là. On se retrouve une game. Let's go. Allez, les gars, on est sur Rift. Franchement, let's go. On va voir ce que ça va donner. Petite chemise bleue pour ma part. Tranquille. On va voir ce qu'elle va donner, cette MS. Oh mon Dieu. On va attendre que je me livre. Oh mon Dieu. Direct, je vous le dis direct, les gars, le bruit, c'est pas du tout la MSMC de BO2. Voilà. Non, ils étaient deux! Il y a un mec qui joue aux armes de corps à corps. Bien joué, bien joué. C'est un bruit, les gars, qui est. On a l'impression qu'il y a un tir rapide. Alors, je sais pas si c'est pas encore patché de leur part ou quoi. Mais elle est trop, trop bonne. Elle est trop, trop bonne, les gars. Je vous jure. Ouais, il va lui falloir un petit chargeur rapide hein, pour les chargeurs énervés comme moi. Et j'ai entendu un mec ici. Il y a un mec là-bas. Je dis pas qu'il s'est suicidé ce mongolien, non. Oh, je me suis ramassé à bullshit. Franchement, les gars, pour le moment, ouais, elle est très stable. Elle est vraiment stable, effectivement. D'ailleurs, je vais même essayer des long shots. Pour voir à quel point elle est stable, tu vois. Un petit MME. J'ai lancé un petit MME, vous savez pourquoi, les gars? Parce que c'est le mode de jeu dans lequel t'es le plus à l'aise pour découvrir une arme sans prise de tête, tu vois ce que je veux dire? Et non, je savais. En fait, je savais que le mec qui était aux armes de corps à corps, il allait venir me rusher au moment où ce que j'allais le rusher, tu vois ce que je veux dire? Ben, jouer à lui. Est-ce que tu penses que ça se perd les réflexes de Call of Duty ou pas? Ça, c'est quand même un peu dégueulasse. Il va revenir pour son colis. Oh mon Dieu, je les ai enchaînés. T'as vu sa petite mire là, avec le point rouge? Je trouve que c'est super sympa. Vraiment. Non, c'est sympa. Tu l'as pas fini. Il ne l'a pas fini. Lui, il rush bien. Normalement, il va m'entendre arriver s'il a un bon casque, non? J'ai un foudroiement. Je sais qu'il y en a un là, tu vois. Il sait que je suis là. Oh mon Dieu. Je rush. Je suis concentré. Le rush, c'est ma passion. Ah, le pompe. Bien joué à toi, mon grand. Franchement, bien joué. On va pas rager, tu sais pourquoi. Parce qu'on n'est pas des haineux ici. Première game à la MSMC, plutôt sympa. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de nous pendant ces vacances. Ou comment ça se passe? Ici, sur mid, non? Ils ont spawn A du coup, ils ont respawn de l'autre côté. Le mec avec l'arme de corps à corps, il est pas con, il est où lui? Je l'ai perdu dessus. Me disais bien, ils ont spawn par là. Ah, ce qu'on va faire, on va faire ça. Moi, Rift, je l'aimais bien cette map. Hein? Dommage pour toi. Ah, je pensais qu'il l'avait déjà eu. Bien joué, mon grand, bien joué. Ah bah franchement, les gars, premier ressenti, parce que j'ai la tendance parfois à me taire et à jouer un peu ma game. Hein, c'est pas forcément correct à tout ça. Mais non, franchement. Il est
Pas un peu con, mais carrément con en fait, le mec en face. Un petit turn, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis sur Call of Duty. En même temps, je joue plus du tout à BO3, sauf de temps en temps, tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai vraiment, on va dire, le temps. Et ils vont spawn front, du coup. Oh, ben joue à toi. Et je savais qu'il allait spawn front et qu'il allait m'attendre, c'est bien. Parce qu'il m'a entendu tirer, tu vois. C'est... D'ailleurs, il y a une astuce que je donne très souvent aux débutants et aux gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur, sur ce cas-là. Enfin, c'est de ne jamais tirer quand quelqu'un disparaît derrière un mur. Attendez toujours de l'avoir en visu, tu vois. Elle est trop stable, les gars. J'imagine même pas les gens qui vont la jouer avec une poignée go ou je sais pas quoi, là. Elle est trop stable. L'arme est trop stable. C'est le retour de la MSMC qu'on a. Mais... Oh là là. Tu penses qu'il sera là, lui? Regarde-moi ça. Regarde. Tu l'as eu? Il l'a eu. Je pense pas qu'il soit là. Non, ils sont de l'autre côté. Moi, je rush derrière les kills parce que mon objectif, c'est ça. Hein, c'est vous montrer à quel point une arme, les gars. Elle... Ouais. C'est... Non, franchement. Je l'ai perdu de vue. Je l'ai perdu de vue, les gars, je vous jure. Je l'ai perdu de vue. Je suis un petit 29-7. On va balancer le foudroi vite fait. Voilà, genre comme ça et tout. Allez, même pas. Ils m'ont pas offert le kill. Il doit en avoir un ici. Ouais, j'en suis sûr et certain. Laisse-moi faire le dernier kill, s'il te plaît. Non. 29-7, les gars. Ma première game. On va enchaîner avec une autre game à la MSMC. Je veux pas vous mentir, les gars. J'ai pris du plaisir. Je vous jure que c'est vrai. J'ai rushé, j'ai fait n'importe quoi. La MSMC est là. C'est pas du tout le même bruit parce que le bruit de la MSMC, il est plus grave. On le reconnaît direct, tu vois. Et je vais vous faire une vidéo, les gars, comparative de BO2, BO3. Je viens de tourner, les gars, le plus gros opening de toute ma chaîne YouTube. Et je pense même de tout YouTube sur BO3. Et la vidéo arrive prochainement. Je vous dis pas sur quel compte. Là, je suis sur le compte de l'abonné. Je le remercie du fond du cœur. Let's go. Ah bah tiens, on a débloqué. Le réflexe, la poignée go et le silencieux. D'accord. Moi, je vote Empire, tiens. Hein. La map raid de BO2, tant qu'à faire, on est dans l'ambiance. On enlève le RK5, on enlève la Semtex. On va mettre la poignée go. Puis, c'est ce qu'on va faire, tiens. Pour les déloger, on va garder la Semtex. On va même pas mettre de secondaire, d'accord. Ah oui, et je voulais montrer donc sans camo. Et là, maintenant, on va mettre le nouveau camo Empire. Let's go, on se retrouve en game, c'est parti. Ok les gars, donc on est 4v2, je vous le dis direct, je vais quitter la game et je vais relancer un autre accueil parce que je veux pas commencer à traquer deux pauvres mecs. Let's go. Oh là là les gars, c'est un truc de malade. Okay, matez-moi ce salon les gars, je viens de quitter, j'ai relancé un MME. Oh là là. Eh, j'ai jamais de salon comme ça moi. Oh mon dieu. Je le voyais pas. Ils sont encore dans mon dos. Ouais, j'en suis sûr et certain. C'est un truc de malade. Elle est trop bonne, les gars, je vous le jure. Oh mon dieu! Il y en a un là. Il m'a vu, hein. On va faire ça, d'accord. Ah non! Il savait que j'étais là! Bien joué! Oh là là. Allez, un petit. Qui se rappelle de la G-Slide, les gars, sur BO3? Je devais reload, bordel de merde, j'ai eu un mauvais shoot, hein. Ah ouais, ça change du grenier de BO2 qui... Et lui, tu lui donnais la MSMC, frère, je te mettais une rafale comme à la M8A7, tu vois. La M8A1, hein, à l'époque. Allez. Elle est trop bonne, les gars. Je lui ai juste mis la poignée ergo, pour ceux qui se demandent. Juste là. Oh, bien joué. Là, par contre, je sais qu'il va falloir les trouver. Mais franchement, les gars, mon ressenti sur la MSMC...
recul extrêmement faible. Je pense que c'est l'une des armes les plus polyvalentes de Call of Duty. Hein. C'est pour ça que les gens adoraient la jouer à l'époque de BO2, la MSMC. C'est que zéro recul. Regarde, je me balade, hein, parce que là, je sais qu'en face, bon, là, c'est des débutants, tu vois. C'est du MME. Tranquille. Attends, est-ce que tu penses qu'il a spawn dans mon dos? Je sais que j'en ai entendu un pas tirer ici. Il n'est pas très intelligent, du coup. Il n'a pas changé de secteur, mais je pense qu'ils vont encore respawn par là, oui. Ils sont là, à deux. Tu vois, et donc moi je me dis, vu que je suis un mec intelligent. Il est où l'autre? Ah, tu fais ça? Est-ce que le spawn a tourné? Ah, tu vois, c'est ça mon problème, c'est que je louche maintenant. Vu que je suis plus trop habitué aux maps, aux couleurs. D'ailleurs, j'ai l'impression que Redwood est beaucoup plus clair qu'avant. Alors, je sais pas si c'est juste moi. Ah, on va utiliser les 16 dernières balles pour le finir. Voilà, tu vois. Pendant que les mecs ils sont encore là en train de découvrir les maps et tout, ils sont avec un mec qui fait du 16-3 et qui n'a pas le temps. Tu vois, parce que BO3, c'est bien, j'ai ça dans le sang. Call of Duty, Treyarch, TMTC, la famille. Mais non, vraiment, je te dis, portée, très très bonne portée quand même, hein, cette MSMC, stabilité. Le bruit, pas du tout que sur BO2. Attends, on va vite le tuer parce que. Ouais, ça doit les faire rager, ça, les pauvres. Et je comprendrais à leur place que. Qui rage. Je comprendrais effectivement qu'ils rage parce que les pauvres, je suis vraiment en train de leur faire trop trop mal, tu vois. On va faire ça. Voilà, un petit kill au foudroi. Je dis pas non. Tu l'as vu? Mais il a fait me tuer là. Oh, bien joué à toi, mon grand. Il m'a encore tué à un du fantôme. Bravo à toi. Franchement, félicitations. Je te jure, je suis honnête parce que. Et je l'ai pas bien vu. Avant, j'étais tellement habitué, on va dire, à l'affichage que je ratais pas ce genre de truc là. Mais je veux pas te mentir aussi. La fatigue, le manque de bonne nourriture, ça fait ressentir chez moi ces parties. Mais c'est un salon qui est adorable. Et je vais même tourner ma vidéo maintenant à l'Olympia dans ce même salon. Parce que c'est trop fun. C'est trop fun d'affronter ce genre de mec en fait. Il y en a ici. Allez mon grand. Moi je crois en toi, tu peux faire un kill. Il y a un mec en face qui fait du 0-13 là. Oh mon dieu. Il n'y en avait pas un ah, là dans le parage? Non, je pense qu'il était ici quelque part. Ah bah hé, dans le dos. Bien joué. Bon, je vais quand même pas tout faire les kills à moi tout seul parce que là, ça va pas être. Ça va pas être très amusant. En fait, c'est ça qui est amusant le plus dans Call of Duty, c'est quand tu prends tout et que tu laisses rien aux autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui aiment pas jouer avec moi, c'est à cause de ça. Grony, tu tues tout! Laisse-moi un peu! J'arrive pas à m'amuser! Je t'ai géré. Ah, mon dieu, putain. Mec, ils sont où? Ne me dis pas qu'il a fait le ménage. Il l'a eu. Lui, il va passer là. Oh mon dieu, regarde. On les traque comme des animaux, mon pote. Hein. C'est la chasse. On a la chasse ici. Ah, c'est lui qui aura le plus de gibier. Non, mais putain. Mais tu te caches. Mais tu te caches. Non, franchement, les gars, cette MSMC, si vous l'obtenez, je peux vous assurer que vous allez prendre un plaisir monstre avec. Elle est très facile à jouer. Et il est vraiment mauvais. Il va spawn juste devant moi, donc j'ai le temps de reload, ouais. Ah bah voilà, c'est fini, les gars. Laissez un pouce bleu et la vidéo sur l'Olympia qui arrive ce soir même. Mon score, il n'est pas exceptionnel. C'était Grony. Bye bye, YouTube.